Alors, bonjour et bienvenue à chacune et chacune de vous qui vous joignez à moi pour cette deuxième capsule de la Lectio Divina. Aujourd'hui, on va regarder le premier texte de Marc. Donc, ceux et celles qui voudraient avoir leur Bible pour leur méditation, je vous donne, c'est Marc 1, versets 1 à 8. Moi, j'ai pris le texte dans la TOB, mais tous les textes ont des fois des différences de mots, mais très peu. Alors, je commence par la lecture du texte et après ça, on pourra poursuivre dans la lectio et ensuite la méditation. Alors, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici, j'envoie mon messager avant toi, pour préparer ton chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, on voit bien que Marc campe ce qu'il veut déployer, qui veut nous parler de Jésus-Christ, qui est cet homme. Alors, dans le texte, on a quelques personnages. On a Dieu, le Fils de Dieu, Jésus. On a également la foule de Jérusalem et de la Judée, et également Jean-Baptiste. Marc nous rappelle que cette histoire est vraiment plongée dans la divinité même, parce qu'elle a été annoncée par les prophètes et lui choisit de parler du prophète Isaïe. Jean est chargé d'une mission divine, c'est-à-dire annoncée en faveur de tout le peuple. Et c'est par sa prédication que s'accomplit ce que les prophètes ont annoncé. Le baptême de Jean et celui des chrétiens est apparenté à ceux que désignent les bains et les ablutions pratiquées dans le judaïsme. Et quand je suis allée en Israël, j'ai eu la chance sur un site archéologique de voir les bains de purification que les Juifs utilisaient. Donc, la purification, elle était quotidienne, soit par le bain ou les ablutions. Les ablutions, c'était souvent avant de manger, avant la prière, avant toute chose, parce que pour les Juifs, la pureté est très, très importante. Le baptême de Jean se distingue parce qu'il est offert à tous et il est reçu qu'une seule fois. Les conditions nécessaires pour le baptême, c'est la conversion. C'est le pardon des péchés. Et toute la prédication de Marc nous ramène à celui qui vient après lui, Jésus. Il y a une phrase qui est très intéressante dans le texte. « Je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. » Il y a des mots qui sont intéressants. Il y a trois mots que j'ai retenus qui sont intéressants. Digne. Digne n'est pas pris dans le sens d'infériorité, mais digne est pris dans le sens d'humilité devant le tout autre, le tout grand. Je ne suis pas digne. Il y a quelque chose de relationnel entre l'être humain et le tout autre Dieu.
l'humilité. Me courba. Courber dans la Bible est un signe d'adoration. Alors, quand on va à la messe et qu'il y a à la consécration l'élévation du pain et du vin, on se courbe. On se courbe en adoration devant la présence réelle du Christ. Quand on va à une heure d'adoration quelconque, dans Jésus, dans l'ostensoir, on se crispe aussi. On se penche, on se courbe pour l'adorer. Un autre mot qui est très intéressant, c'est délier. Délier les sandales, ça appartenait aux serviteurs, ça appartenait aux esclaves. Puis ça, en tout temps. Donc, Jean-Baptiste, en disant ça, se fait serviteur de Jésus. Il est le serviteur qui prépare la venue du Christ. Marc nous ramène toujours à l'essentiel, Jésus. Qui est Jésus? C'est pourquoi que le message de Jean revient à l'accomplissement des paroles prophétiques qui ont été annoncées par Isaïe dans la Bible. Jean annonce de façon claire qu'il ne fait que préparer la route pour celui qui vient après lui. Celui qui viendra après lui, c'est Jésus. Alors, avant de passer à la méditation, quoique je vais vous l'expliquer tout de suite, puis je vais terminer avec une deuxième lecture du texte. Pour la méditation, il y a peut-être des mots, il y a peut-être une expression ou une attitude qui vous rejoint, ou qui vous pose question, qui vous interpelle. Donc, vous pouvez méditer sur cette partie-là. Une deuxième façon de faire la méditation, qui est la mienne, c'est vraiment d'entrer dans la scène. Je peux me situer à côté de Jean-Baptiste. Je peux même me situer en Jean-Baptiste, en adoration. Je peux me situer parmi les gens, les foules qui se font baptiser. Juste ce signe-là de reconnaître, de conversion et de reconnaître ses péchés. Je peux être dans la foule qui observe aussi, qui observe la scène, qui se laisse interpeller, qui se pose des questions, tout simplement. Alors, ça sera le temps de méditation. Vous pouvez aller sur ces points que je viens de vous donner en référence, mais le temps vous appartient. Il n'y a pas de temps. Ça peut être de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça dépend de vous. Donc, le temps vous appartient. Et après votre temps de méditation, je renouvelle la prière, l'oratio, qui est la prière, cette conversation avec Dieu. Parler à Dieu, l'écouter. C'est vraiment une relation intime avec Dieu. Alors, je vous relis le texte une deuxième fois. Peut-être que vous allez voir une différence. La première lecture, on a vu le contenu. La deuxième lecture, peut-être, je dirais qu'on va voir le contenant, ce que ça représente, ce que ça vous dit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le message du prophète Isaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi. » Pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales.
Moi, je vous baptiserai d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Bonne méditation et à la prochaine. Merci.